Alors, chers amis, soyez salués. Soyez salués, soyez salués. Alors, partagez cette vidéo parce qu'on va parler. On va parler, envoyer cette vidéo à Franklin Yamsi. Tout à l'heure, il était en direct où il disait tellement de bêtises, où il racontait toujours sa vie, exposait toujours sa sale haine contre la Côte d'Ivoire. Alors, partagez énormément cette vidéo, c'est informé. C'est informé. Alors, vous allez l'écouter tout à l'heure. Il a fait une vidéo suite au rapatriement, parce que depuis quelques jours, le Burkina Faso, a décidé de rapatrier ses élèves militaires qui sont à l'MPT de Benjaville. Voilà. Suite à ça, Franklin Yamsi a dit, il demande à la Côte d'Ivoire, président Ouattara, de respecter les putschistes. Il a accusé la Côte d'Ivoire d'être aujourd'hui à 80% responsable des ennuis des putschistes. Les mesures répressives, de répression diplomatique, il l'a dit beaucoup dans une diplomatique du Mali. Il traite le président Ouattara d'allié des terroristes. Le président Ouattara qui sabote la livraison d'armes au Burkina. Il a dit tellement de choses. Donc, moi, je vais lui envoyer ma réponse. Chers amis, soyez salués encore. On va passer à l'offensive. Chers amis, je vais répondre aussi à leurs préoccupations de coup d'État. Il a parlé de la carte de séjour. Le président Ouattara est celui qui a envoyé la carte de séjour pour diviser, pour opposer les fils du Nord. Les fils du Nord, après les frontières de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire nos frères Senufo, Koyaka, Maoka, et les Burkinabés, les Guinéens et autres qui ont les mêmes noms, comme nos frères Senufo, Koyaka, ou Maoka. Et tout ça, il a dit tellement de bêtises. Donc, je vais lui dire ma part de vérité. Alors, je vous laisse écouter d'abord Franklin Yamsi. Faire la façade, le voile du coup d'État qui a été perpétré par ces hommes au sein de l'armée, sa garde rapprochée, Ibrahim Koulibaly, ces hommes au sein de l'armée, Lassana Balanfo, Abdoulaye Koulibaly, les généraux, c'est un coup d'État. Alors, ce qu'il dit de là, il dit que Soro a fait le coup d'État pour faire du président Alassane Ouattara candidat aux élections présidentielles, pour faire du candidat du président et de Soro et du président Alassane Ouattara président. Donc, moi, je pense que c'est des préoccupations auxquelles j'ai toujours répondu. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas, ils ont tous peur de m'affronter. Je leur ai dit, Franklin Yamsi, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Dans toutes mes vidéos, j'ai toujours dit à Franklin Yamsi, il faut chercher à rentrer au Cameroun. Le combat du panafricanisme, quoi là. C'est pas en Côte d'Ivoire, c'est pas au Mali, au Niger seul. Il faut aller au Cameroun. J'ai dit toujours au Franklin Yamsi, tu es un Camerounais, il faut aller chez toi. Tu es responsable, tu n'es pas obligé d'être en France avec des documents français, être toujours assis en France. Franklin Yamsi, moi, Zasso, je te dis, depuis le début, jusqu'à aujourd'hui, il m'a bloqué. Hein? Voilà. C'est-à-dire, quand moi, je leur dis la vérité, j'ai un problème. Tu ne peux pas vouloir mener un combat de liberté, de souveraineté, de choses, et tu es assis en France. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. C'est idiot, c'est irresponsable. Quand tu veux mener un combat de souveraineté, d'indépendance, de lutte contre la France et contre l'impérialisme, mais tu quittes la France, tu ne peux pas vivre là où l'impérialisme vit, et puis en même temps tu vas vouloir combattre l'impérialisme, tu ne pourras pas. Moi je vous dis ça toujours, je dis, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc bipe-le, dites-lui que Zasso dit viens t'asseoir, viens. Il n'a qu'à venir s'asseoir, il n'a qu'à prendre son tabouret. Je l'ai dit la fois dernière, je me remercie tous ces Ivoiriens qui ont énormément partagé la vidéo. Voilà, que Soulé a reçu, notre mon neveu Soulé, lui aussi, vous pouvez lui dire tous ces voyous de Sororis, parce que je profite encore toujours pour répondre à ces idiots-là, voilà, à ces clowns-là, à ces inconscients,
à ces illettrés-là, voilà des gens qui veulent mener le combat de souveraineté et qui ont du mal à aller chez eux. Vous voulez mener des combats de souveraineté et d'indépendance, mais allez-y chez vous. Toi, Franklin Yamsi, tu es assis au Cameroun, en France. Et tu es là en train de te plaindre seulement. Il n'y a pas un problème entre les deux peuples. Et on ne doit laisser naître aucun problème entre les deux peuples. Mais il y a un individu et son régime qui pose problème. Cet individu, c'est Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien ayant régné la ville de Saint-Doux. Pour troubler la Côte d'Ivoire et ayant renié notre belle terre burkinabé. Chers amis, c'est le même slogan. Son identité culturelle, politique, économique, son identité sécuritaire, son identité cosmique. Alors, il a fait une vidéo où il a parlé du rapatriement parce que il faut que je sois franc avec lui. Franklin Yamsi, le Burkina a rapatrié ses soldats. Ces élèves qui sont à l'école de Benjerville. Mais ils sont dans leur, ça dit, ils sont dans leur logique d'autonomie. Ils sont dans leur logique d'indépendance. Ils sont dans leur logique de panafricanisme. Ils sont dans leur logique de liberté. Si le Burkina rapatrie ses soldats, qu'est-ce que le président Ouattara va avoir dans ça? Qu'est-ce qu'il a à voir dedans? C'est eux qui ont envoyé une note, eux-mêmes. Voilà ma propre note. Voilà ma propre note. Ça a été signé par eux-mêmes, les pushistes là. Ces pushistes là, c'est eux qui ont signé ça. Les pushistes que vous signez là, signalez là, que vous suivez là, c'est eux qui ont signalé ça. Ils disent qu'ils ne veulent plus voir leurs soldats militaires. Ils ont envoyé leur courrier, la Côte d'Ivoire obéit à cela. Nous, on n'a pas de problème. Tu parles de tension. Tu parles de beaucoup de choses. Il n'y a pas de tension entre le Burkina et nous. Le Burkina, c'est un petit pays. Franklin Yamsi, le Burkina, là, c'est un petit pays. Ça fait combien de temps les Burkinabés ont nos militaires? Nos soldats, on a deux soldats au Burkina. Ça fait un mois et demi. À cause des problèmes de frontières. Les problèmes de frontières, là, les frontières, on a encore actuellement un problème de soucis. Les frontières, là, rien n'est encore clarifié. Rien n'est encore. Donc, souvent, les soldats maliens, burkinabés se perdent même, ils viennent en Côte d'Ivoire. Mais quand ils viennent là, nos officiers les font rentrer sans nous informer. Parce que j'ai dit toujours à nos officiers et à nos autorités, il faut médiatiser les choses. Si des soldats maliens, burkinabés se perdent, ils rentrent sur nos territoires, faites comme ce que les autres aussi font. Parce que vous êtes tellement gentils, quand les soldats rentrent, vous les ramenez. Les soldats aussi se perdent parfois, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Parce que les frontières, là, il y a encore du boulot à faire dessus. Et tout ça, bientôt, cette histoire des frontières, les choses seront tellement bien tracées. Et les autorités ivoiriennes sont en train de réfléchir pour que les problèmes de frontières soient bien réglés. Il faut que ces problèmes de frontières soient bien tracés. Là, quand tu arrives quelque part, là, tu sais qu'ici, c'est la Côte d'Ivoire. Tu sais qu'ici, c'est le Burkina. Tu sais qu'ici, c'est le Mali. Et nous comptons sur les autorités ivoiriennes pour que cette histoire des frontières, là, ça soit définitivement réglé. Pour que les Burkinabés savent que ça, là, ici, c'est pour eux. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Ça, je dis ça pour que les gens comprennent ça. Là, il n'y a pas longtemps, nos soldats se sont rendus, ça dit de façon accidentelle, ils se sont retrouvés au Burkina. Mais ils arrivent dans une ville du Burkina, de là, on les transfère jusqu'à Ouagadougou. On pouvait les ramener en Côte d'Ivoire. On les transfère à Ouagadougou. Parce qu'ils veulent toujours faire du chantage à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pour eux, ils peuvent humilier, ils peuvent déstabiliser, ils peuvent servir de base arrière à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Nous, on leur dit toujours que vous ne pouvez pas. La Côte d'Ivoire, là, c'est Gbagbo qui était au pouvoir. C'est pour ça que le Burkina a servi de base arrière. Partagez la vidéo, cher ami, parce que les gens signalent la vidéo. Quand c'est fort comme ça, ils signalent. Donc, partagez la vidéo. Franklin Yamsi, je vais te dire la vérité. C'est parce que c'est Gbagbo qui était au pouvoir. C'est pour ça que le Burkina a servi de base arrière. C'est pour ça que le Burkina a servi de base arrière. Sous Ouattara, là, les pushistes, là, ils ne pourront pas. Ne vous fatiguez même pas, vous les soroïstes. Parce que votre soutien aux pushistes du Sahel, là, c'est juste pour qu'il y ait un coup d'État, pour que l'armée se révolte, pour que l'armée se soulève,
pour qu'il ait une rébellion et autre. Ça, ça va être logique. C'est pour ça que vous les soutenez. Sinon, en réalité, hier, là, on a vu ce qui s'est passé. Toi, Franklin Niamsi, là, c'est pas toi qui insultais Assimi Goïta ici. C'est pas toi qui insultais les Pouchistes parce que, à un certain moment donné, il n'était pas d'accord avec les pro-Soro qui étaient au Mali, qui étaient au Burkina. Mais tu as fait des vidéos pour insulter ces Pouchistes-là, ces terroristes-là. Mais aujourd'hui, tu es celui maintenant qui fait leur atalakou. Parce que pour toi, Traoré, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tchiani peuvent s'associer pour déstabiliser Ouattara, pour faire tomber Ouattara. Et c'est ce qui est dans vos discours à chaque fois. C'est pour ça que moi, je vous ai dit sur les réseaux sociaux, je ne serai plus hypocrite. Franklin Niamsi, quand Soro était en Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale, parce que souvent c'est eux qui parlent de moutons, c'est eux qui parlent de restaurants, mais ils étaient en Côte d'Ivoire ici. Ils étaient en Côte d'Ivoire. Quand ils étaient à l'Assemblée nationale, Franklin Niamsi avait un passeport diplomatique. Franklin Niamsi avait des millions sur des millions. Franklin Niamsi faisait le tour du monde. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais c'était en Côte d'Ivoire, c'était l'argent du pays. C'est ce qu'ils appellent les restaurants, là, c'est dedans ils étaient. Sous la rébellion de Gbagbo. Mais les Franklin Niamsi étaient des hommes puissants. Ils étaient des hommes forts. Franklin Niamsi, dans sa tête, si Soro réussit un coup d'État, lui va devenir un homme très puissant. Il va devenir un homme puissant en Côte d'Ivoire. Donc, le fait que Soro n'arrive pas à renverser Ouattara, Soro n'arrive pas à faire un coup d'État, lui, il n'est pas à l'aise. C'est pour ça qu'il a engagé derrière les pushistes. Ces pushistes-là, qui sont aujourd'hui en manque de visibilité, ils n'ont même pas, ils sont à la tête des régimes au Mali, au Burkina. Mais aujourd'hui, vous arrivez, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Tout à l'heure, il a dit des choses, mais j'ai trouvé que vraiment, le président Ouattara, il est fort. C'est-à-dire, il a cité des choses. C'est-à-dire, dans sa vidéo, il ne se rend pas compte qu'il est en train de démontrer à ceux qui le suivent qu'en réalité, le président Ouattara n'est pas n'importe qui. Parce qu'il a exposé les difficultés de ces pays. Hein. Ils sont à la tête du Burkina. Au plan diplomatique, ils n'arrivent pas. La population, ils n'arrivent pas. Il a cité lui-même. Hein. Il dit 80% des ennuis des pushistes du Sahel viennent de la Côte d'Ivoire. Ça m'a fait rire. Ça veut dire qu'ils ont des problèmes. Mais nous, la Côte d'Ivoire, on a fait quoi? Vous avez fait votre coup d'État. Vous voulez votre indépendance. Vous voulez votre souveraineté. Faites ce que vous voulez. Vous nous emmerdez. Nous, on n'a rien fait. Nous, on n'est pas dans... Nous, là, on est un État démocratique. Nous, on n'est pas dans le coup d'État. Parce qu'on sait que le coup d'État, tout ce que dont vous parlez, ça ne fait pas avancer le pays. Ça retarde le pays. Depuis combien d'années le Burkina est dans le coup d'État? Depuis combien d'années le Mali est dans le coup d'État? Depuis combien d'années la Guinée est dans le coup d'État? Depuis combien d'années le Niger est dans le coup d'État? Depuis leur indépendance, ce sont des coups d'État. Franklin Niamsi, depuis les indépendances de ces pays-là, ce sont les coups d'État. Donc nous, rien ne nous surprend. Rien ne nous surprend. C'est parce qu'ils ont un peuple dont le taux d'analphabétisme est élevé. Ils sont dans des pays où les gens ne comprennent rien. Les gens ne savent pas que le monde évolue. Les gens ne savent pas. Non, ils sont les applaudissent le coup d'État. Ils applaudissent le coup d'État. Il n'y a pas école, il n'y a pas université, il n'y a rien. Il n'y a pas de bonne formation. Les Burkinabés, les Maliens sont aujourd'hui dans le noir. Ils sont dans le noir, ils ne comprennent rien. Ils sont les applaudissent le coup d'État. Chers amis, les gens signalent beaucoup la vidéo. Les gens signalent beaucoup la vidéo. Essayez de m'aider un peu. Parce qu'on est dans un combat. Le combat n'est pas encore terminé. Moi, je vous dis toujours. Le combat, ce n'est pas encore terminé. Vous arrivez aujourd'hui en France, aux États-Unis, en matière de sécurité, chaque jour, 24 heures sur 24 heures, les gens ne dorment pas. Les gens ne dorment pas. Hein. Le combat n'est pas encore terminé. Il faut que nous soyons, restons éveillés. C'est-à-dire, nos yeux, là, ça doit être ouvert. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. Quand je suis en direct, ses fils, ses neveux du Sahel viennent déstabiliser ma page parce qu'ils ont peur. Alors, donc, chers amis, Franklin Niamsi dit 80% des amis du Mali, du Burkina, du Niger viennent de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous sommes un pays important, un pays puissant. Mais ce que Franklin Niamsi dit pas, nous avons pratiquement la moitié des populations de ces pays sur notre territoire. La Côte d'Ivoire a la moitié de cette population de ces pays sur notre territoire.
S'ils prennent nos soldats, ils pensent que c'est en prenant nos soldats, en prenant nos soldats en otage, qu'ils peuvent nous humilier, qu'ils peuvent faire des coups d'État, c'est leur problème. Qu'ils peuvent aider Soro à atteindre ses objectifs, c'est leur problème. Mais ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui va permettre à Soro d'être président en Côte d'Ivoire. Et nos frontières, il n'y a pas un pays du Sahel, aujourd'hui où on est là, qui va servir de base arrière à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Frère Némi, je te dis la vérité, il n'y a pas un pays du Sahel, là aujourd'hui où on est là. Militairement, là, il n'y a pas un pays, dans la sous-région, là, il n'y a pas un pays aujourd'hui qui va se comparer à la Côte d'Ivoire. Nous, on est serein. Les gens sont allés tenter le terrorisme à Bassam, ils sont allés à Kafolo, les coups d'État de Soro, à Boaké. On a tout neutralisé. Donc aujourd'hui, nous sommes assis, nous sommes un pouvoir serein. Ça, je te rassure, Franklin Yamsi. Tu es libre de la soutenir. Mais ce que je te conseille, il faut aller chez toi au Cameroun. Quand vous dites d'aller chez vous, vous pensez qu'on est contre vous. Quand vous dites d'aller chez vous, vous pensez qu'on est contre vous. Personne n'est contre vous. Allez-y chez vous. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps appelé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas appeler tous ces pays à faire la guerre contre la Côte d'Ivoire. Non! Non, nous n'allons pas tolérer ça. Nous sommes les fils de la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. C'est ce que nous avons. Non, nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement. Nous allons vous dire la vérité. Franklin Yamsi, le panafricaniste, là, tu peux aller faire ça au Cameroun. Tu es là, peuple Afrique, mais le Cameroun, c'est pas aussi l'Afrique. Aujourd'hui, on a besoin d'une opposition au Cameroun. Combien de temps Paul Biya au pouvoir? Je te dis ça à chaque fois, combien de temps Paul Biya au pouvoir? Ça fait des années que Paul Biya au pouvoir. Ça fait des années que Paul Biya au pouvoir. Paul Biya a besoin aujourd'hui d'une opposition. Quand je te vois faire la promotion des petits enfants, c'est là, ce sont tes petits frères, comment on appelle, les Ibrahim Traoré, la Simi Goïta, ce sont tes petits frères. Franklin Yamsi, ce sont tes petits frères. Moi, je te trouve ridicule. Moi, sincèrement, je te trouve ridicule. Tu es lâche, tu n'es pas responsable. Ton pays, le Cameroun, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas d'opposition. Paul Biya, si là. Et toi, tu es là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Oui, tu as marié, d'après les gens, tu as marié une femme ivoirienne. Ça, c'est votre problème. Si tu as marié une femme ivoirienne, c'est ton problème. Mais tu n'es pas obligé de suivre ta femme. Il faut aller chez toi, au Cameroun. Tu n'es pas obligé de suivre ta femme ivoirienne. Il faut aller au Cameroun chez toi. Est-ce que tu es obligé de rester en France? Tu n'es pas obligé de rester en France. Tu veux mener un combat digne de souveraineté, de nationalisme, de liberté, d'indépendance. Nous sommes d'accord. Nous n'avons pas de problème. Mais on vous dit, vous ne, c'est pas étant en France, en étant ici en France, que vous allez réussir ça. Je vous dis ça toujours. Le petit Coréen, aujourd'hui, que vous applaudissez, Kim Il-jong, mais il a fait ses études en Suisse. Mais après, le petit est rentré. Aujourd'hui, il est en train de faire des merveilles au niveau de la Corée du Nord. Le monde entier le respecte. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de vous comporter comme des idiots. Mais vous humiliez l'Afrique. Vous dites que vous êtes des intellectuels. Vous êtes puissants. Mais rentrez en Afrique. Allez-y dans vos pays pour vous mettre au service de vos pays. Je l'ai dit l'autre fois à Soulé. J'ai dit à mon neveu Soulé et ses amis qui sont dans le même cas que lui. Que vous n'êtes pas obligé de suivre vos mamans. Vous n'êtes pas obligé. Soulé aujourd'hui lui-même il s'est dévoilé. Il s'est dévoilé, Soulé qui fait des vidéos sur des vidéos, à humilier la Côte d'Ivoire, lui-même il s'est dévoilé. Dieu ne doit pas. Je veux dire que quand vous m'attaquez, moi je suis un fils ivoirien. Père et mère ivoirien, je suis votre oncle. Moi, Zasso, là, je vais me faire respecter. Il n'y a pas enfant d'une de mes soeurs ici qui va s'asseoir sur les réseaux sociaux qui va me dénigrer. Je vais te dire la vérité, parce que je vais me faire respecter. Tu te comportes mal, tu dénigres la Côte d'Ivoire, tu insultes la Côte d'Ivoire, je vais te dire, va chez ton père. Et ça, là, ça ne peut rien me faire. Ce n'est pas de l'ivoirité, ce n'est pas de la xénophobie. Dieu Soro a créé rébellion dans ce pays. La rébellion de Soro a tué des Ivoiriens. C'est pire que la xénophobie, c'est pire que l'ivoirité. L'ivoirité, là, c'est un concept, on ne peut pas nous distraire ça. Ça, là, nous tous, on connaît ça. Personne ne viendra me distraire ça, moi, Zasso. Là où on est, là, on va maintenant se dire la vérité. Les histoires de xénophobie, là, ça ne veut rien dire. C'est parce que vous-même, les Burkinabés, là, vous êtes xénophobes. Vous êtes xénophobes, vous êtes pire. Vous n'aimez pas les Ivoiriens.
Est-ce que les Burkinabés aiment les Ivoiriens? Les Burkinabés n'aiment pas les Ivoiriens. S'ils aimaient les Burkinabés, ils aimaient, la Côte d'Ivoire, ils auraient libéré nos soldats. Depuis un mois et demi, ils ont nos soldats. C'est ce même sortage que le Burkina vous fait. Le Mali a fait ça. 6 mois, le Mali a gardé nos soldats. Les gens n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils profitent économiquement, ils sont puissants. Ils créent les djihadistes, les terroristes, les poussent. Ils prennent l'argent de leur pays, ils viennent investir en Côte d'Ivoire. Mais c'est vous qui détruisez vos pays. Ils disent que non, Ibrahim Traoré dit, Franklin Yamsi dit que la Côte d'Ivoire est une base pour déstabiliser le Mali, le Burkina. Non. Mais la Côte d'Ivoire est un état de droit. Nous respectons le droit des réfugiés. La Côte d'Ivoire est un pays qui respecte le droit des réfugiés. Ceux qui sont là ne sont pas les premiers réfugiés en Côte d'Ivoire. Depuis que le Burkina a connu des coups d'État, le Mali a connu des coups d'État, le Niger a connu... On a toujours accepté leurs enfants sur notre territoire. Beaucoup sont devenus des fils dignes, sont là, ils se comportent bien. Mais il n'y a qu'un groupe d'imbéciles qui se comportent mal. Ceux-là, nous, on a affaire à eux. Chers amis, partagez la vidéo parce qu'ils signalent, ils ne supportent plus. Ils ne me supportent pas. Moi, je leur ai dit, je serai plus hypocrite. Voilà. En fait, des xénophobies, ivoirité là. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui a fait un coup d'État à cause des xénophobies ou ivoirité. Non, non. Ceux qui ont créé leur rébellion là, ils nous ont distraits. Ils nous ont nargués. Ils nous ont menti. Moi, je dis ça aujourd'hui. Quand je vois le comportement de Guillaume Soro aujourd'hui, ça a été des prétextes utilisés pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Xénophobie, ivoirité, c'était des prétextes pour faire rentrer leurs amis de la sous-région et puis venir s'installer dans nos États. Prendre la Côte d'Ivoire en otage, piller la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas me laisser distraire. Si vous vous comportez bien, vous allez vous entendre avec moi. Mais tant que vous continuerez toujours d'insulter, de dénigrer, d'humilier la Côte d'Ivoire, je vous dirai que allez-y chez vous. Ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas de l'ivoirité. C'est pour ça que j'ai dit à tous les... Sous les papas, il a envoyé plein de cyberactivistes, ses amis soroïstes, ces idiots-là, ces analphabètes-là. Ils sont dans les mêmes cas, la plupart, tous quand vous les voyez. Et ils pensent que, je l'ai dit toujours, je dis, vous pensez qu'au RDP, on ne se connaît pas. On se connaît. Hein? Ça, moi, je vous dis la vérité. Hein? Au RDP, là, même au RDA, on se connaît. La rébellion de 2002 a fait rentrer trop de personnes dans ce pays. Et c'est ce que mon frère Boubacar Touré des États-Unis a dit. Boubacar Touré dit aux États-Unis, il a été clair, les papiers là, beaucoup ont eu des faux papiers. Beaucoup se promènent avec des faux papiers. Et ils prennent ça pour dire qu'ils sont ivoiriens, ils ont des passeports ivoiriens, ils ont des cartes d'identité ivoiriens. Et c'est ce que mon frère Touré a dit, et c'est la vérité. Je vais leur dire qu'on se connaît. Là où on est arrivé maintenant, là, on ne peut plus distraire quelqu'un. Voilà. Franklin Yamsi, la Côte d'Ivoire n'est pas responsable. Le président Ouattara n'est pas responsable des malheurs des putschistes. Ce qu'on demande à vos putschistes, ils n'ont qu'à libérer nos soldats. Parce que chaque jour, des militaires maliens, policiers rentrent en Côte d'Ivoire, on les ramène. Les Burkinabés rentrent en Côte d'Ivoire, on les ramène. Parce que nous, on est bien, on est gentil, on n'a pas de problème. On sait que vous êtes des pays pauvres, vous n'avez rien. Voilà. Donc, nous, on vous ramène. Mais quand vous prenez nos soldats, vous nous faites du chantage. Ça prouve que nous sommes un pays important, nous sommes un pays puissant. Mais nous aussi, on ne va pas céder à vos chantages. Des soldats, les frontières ne sont pas... Mais chaque jour, vos populations rentrent sur nos territoires. Moi, j'ai dit à certaines autorités de mon pays, j'ai dit tous les citoyens burkinabés, maliens, guinéens qui rentrent sur les... Il faut les ramener chez eux. Parce que si on ne fait pas ça, ils ne vont pas nous respecter. En Suisse, là, quand tu rentres sur leur territoire de façon illégale, mais ils te ramènent chez toi. En France, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est pareil. Comment se fait que les Burkinabés, depuis, il y a les Pouches, ils rentrent chez nous. Les Maliens rentrent, les Guinéens rentrent, matin, midi, soir. De façon illégale, ils passent par les Bouches, ils s'installent, ils viennent, ils investissent, ils sont partout. Mais il faut les ramener aussi chez eux. Ah oui, nous allons appliquer la loi de la réciprocité. Parce que ça devient, à la fin, ça devient un chantage. À la fin, ça devient un chantage. À la fin, ça devient un chantage. Et je vais dire à Franklin Niamsi, Ouattara n'a jamais divisé les fils du Nord. Les fils du Nord, là, ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent entre eux. Quand il y a eu la rébellion de Soro Diom, mais il y a certains fils de la Cédiao qui étaient un Soro. À un certain moment, quand ils ont voulu retourner contre Soro, Soro les a éliminés, leur a dit, allez-y chez vous. Attends, tu penses qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? Dans la rébellion de Soro, là,
Il y a des gens que Soro s'est débarrassé. Il leur a dit, je vous ai recruté pour travailler pour moi. Maintenant, quand vous voulez revenir contre moi, je vous enlève. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont retournés chez eux au Mali, en Guinée et partout. On sait. Franklin Nemzi, il y a des choses qu'on sait. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas parler. Vous avez votre chance. On est dans un parti. Aujourd'hui, moi, j'ai des amertumes. Quand je vois le RHDP d'aujourd'hui, j'ai vraiment mal. Dans l'opposition, on a une communication très efficace. Quand les gens parlent, là, 32% on a eu là. C'est un excellent travail qu'on a fait devant le Gbagbo. Moi, aujourd'hui, on est beaucoup fragile parce que c'est des systèmes de clans, des personnes qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'ambition après Ouattara. Après Ouattara. C'est du fait qu'aujourd'hui, vous pensez que Soro est important. Moi, je vous regarde toujours. Parce que Soro va devenir président. Soro, ce sont nos cadres-là, aujourd'hui, qui font ça. Beaucoup ne sont pas honnêtes. Beaucoup ne sont pas sérieux avec Ouattara. C'est ce qui nous fatigue. Selon vous, là, on va aller en France, dans des pays, changer le cours de la communication. Mais ça, on peut le faire. Mais c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Et je dis ça toujours. Les gens pensent qu'on s'amuse. Aujourd'hui, les pages Facebook de ceux qui soutiennent les putschistes sont plus sécurisés que nos pages Facebook. Nos pages Facebook sont déstabilisées. Ceux qui soutiennent les putschistes ont plus de moyens. Aujourd'hui, les Franklin Nyamzi, là, c'est-à-dire, chaque jour, va s'asseoir les gars sur la Côte d'Ivoire. Et puis, les Franklin Nyamzi financent des gens qui fragilisent nos pages Facebook, qui attaquent nos pages Facebook. Quand tu parles, les gens ne comprennent pas, mais c'est là que je vais venir. Là où il y a les moyens, là, nous, on sera aussi puissants que ça. Mais chez nous, on te fragilise. Parce que les gens sont dans des cartes au RHDP. Ils savent consciemment qu'ils ne peuvent pas faire l'affaire de Ouattara. Ils ne peuvent pas venir s'asseoir défendre Ouattara. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Mais ils prennent tout. Ils s'asseyent sur ça. Ils s'asseyent sur ça. On a commencé à parier avec Diaby Lassine. Mais Diaby Lassine avait lancé une campagne au niveau de la diaspora. Il a commencé à restaurer l'image du RHDP. On a vu ce qui s'est passé à Paris, les meetings qu'on a organisés, les marches. Aujourd'hui, ils ont déstabilisé Diaby. Ils ont déstabilisé Diaby. Maintenant, ils se sont assis dans leur camp. Quand il y a les petites élections, c'est là qu'ils vont maintenant chercher beaucoup d'argent pour aller faire leur campagne. Mais nous, on les regarde. Ce que nous, on leur demande, ils n'ont qu'à s'organiser pour que demain, parmi eux, il faut quelqu'un. Parce que le président Ouattara aussi est fatigué. Le président Ouattara, là, il est aussi fatigué. Donc, ils n'ont qu'à trouver quelqu'un pour va relever le défi. Ils sont libres de se renfermer dans leur système, dans leur clan, dans leur palabre, dans leur division. Ils sont libres, c'est leur problème. Mais 2025, là, parce que j'ai entendu des gens dire Ouattara candidat naturel, Ouattara candidat, nous, on ne va plus se laisser distraire. Nous, là, on va s'organiser pour dire aux vieux, ils n'ont qu'à maintenant aussi assumer leurs responsabilités. Parce que c'est eux qui font que les Franklin Nyamsi n'ont pas de respect. C'est eux qui font que les Soro n'ont pas de respect. C'est eux qui font que leurs neveux n'ont pas de respect. Et nos neveux nous insultent matin, midi, soir, c'est à cause des cadres du RHDP. Ils sont nombreux et puis ils sont au RHDP. Ils sont devenus des milliardaires. Dès qu'ils ont accédé au pouvoir d'État, ils se sont enrichis. Ils s'en foutent même de la lutte. On continue, Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, donc s'ils ont pris leurs soldats, ils restent dans leur vision. Voilà, des nationalistes. Ils disent maintenant qu'ils veulent former leurs soldats dans leur pays. Ils n'ont qu'à prendre, ce sont leurs élèves officiers, ce sont leurs soldats. Ils n'ont qu'à aller les former, ça c'est leur problème. Ils préfèrent aller au Niger. Mais il y a quoi au Niger? Au Niger, il n'y a rien. Aujourd'hui, là, les pushers du Niger même ne s'en sortent pas. Tu as parlé de la carte d'identité, de la carte de séjour. La carte de séjour, là, quand le président Ouattara a créé, en tout cas, je l'ai dit, et je l'ai dit quand j'étais dans les agorés parlement. J'ai dit, le FPI, comme en son temps, en matière de communication, de propagande, ils étaient tellement puissants, ils ont renversé cette affaire. Sinon, la carte de séjour, en Europe, là, nous tous, on paye carte de séjour. Nos titres de séjour, on les paye chaque année. Ce n'est pas mauvais d'instaurer la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas mauvais. Dans tous les pays du monde. Même vous qui soutenez les putschistes aujourd'hui, mais vous payez des cartes de séjour en Europe à vos familles, vos enfants.
Pourquoi la carte de séjour doit être un problème pour la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas un problème. On dit non, c'est pour diviser. Mais la Côte d'Ivoire, les Sénoufo, les Kouyaka, les Maoka, on se connaît dans ce pays. Ce n'est pas parce que les travailleurs du Burkina qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas parce que les travailleurs du Mali qu'on ne connaît pas. Souvent, vous dites, ah, les Bété, là, sont quittés à l'Ouest, mais nous, on se connaît. Les Libériens, les Bété, là, nous, on se connaît. Comme, qui va me mélanger avec un Libérien? Même s'il veut la carte chrétienne, qui va me mélanger avec lui? C'est un Libérien. Même s'il s'appelle Zasso, heureusement qu'il n'y a pas de Zasso au Libéria. Même s'il s'appelle Tapé, heureusement qu'il n'y a pas de Tapé au Libéria. Non, quand vous parlez, moi, il me fait rire. S'il s'appelle Abel Djoré, ou s'appelle Didier Drogba, ou s'appelle Tante. Mais au Libéria, là, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, nous, on n'a pas de problème. C'est vous là. Vous voulez utiliser nos frères du Nord pour atteindre vos objectifs. Donc, vous prenez vos frères là, allez-y, quand vous appelez travailler, vous appelez ceci, vous appelez ceci. Quand vous arrivez à rentrer dans les mosquées, dites que non, vous êtes les frères. Et nombreux d'entre eux font des erreurs. Ils préfèrent même ces fils du Burkina, là, Mali, Guinée, que nous-mêmes qui sommes nos frères. J'ai dit, mais certains de nos cadres, certains de nos frères, ils se trompent même parfois. Et moi, sur ce côté, nous, on va maintenant continuer à les sensibiliser. On va dire aux Sénoufo, aux Kouyaka, aux Maoka et autres fils de la Côte d'Ivoire, dignes fils de la Côte d'Ivoire, le Burkinabé du Mali, là, reconnaissez-les maintenant. Le Burkina, et comment on appelle le Koulibaly du Burkina, le travail du Mali, le travail de la Guinée, cherchez maintenant à bien les identifier, ne vous laissez plus distraire. Ne vous laissez plus distraire parce que ça nous fatigue. Nous, là, ça nous fatigue, ça pèse sur nous. Ça pèse beaucoup sur nous. Les gens n'ont pas de respect. Ils se cachent derrière ces noms-là pour venir nous insulter. Quand tu vas parler, ils vont dire non, ils sont fils du nom. Et souvent même, ils vont dire, ils sont Djoula du nom. Djoula, ce n'est pas une ethnie. Djoula, ce n'est pas une ethnie. J'ai dit à Soulé, c'est pour ça que moi j'ai dit à la vérité à Soulé, ton père là, il nous a aidés. Dieu de Pau, dans sa carte de, ça dit, sa carte de nationale, et sa date de ça, comment on appelle ça? Son certificat de nationalité, son extrait de naissance. Ah mais oui, son père écrit, il s'appelle Mamadi Traoré. C'est un Guinéen. Chers amis, donc la prochaine bataille, c'est que nos frontières soient bien tracées. Donc nos frontières seront tracées. Je vais dire à Franklin Yamsi, tu dis, après l'ivoirité, tu as parlé de l'ivoirité. Bon, moi l'ivoirité, c'est un débat, ça ne me dit plus rien. Moi, je sais et je le dis, ce sont des arguments qui ont été utilisés fort pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, pour moi, ça n'a pas de sens. Je ne reviens plus sur ça. Personne ne va me distraire ça. Depuis qu'il y a eu la crise du Sahel, depuis qu'il y a eu le coup d'État, depuis qu'il y a eu les putschistes au Sahel, moi, j'ai déjà tout compris. Le soutien de John Soro aux putschistes du Sahel m'a ouvert les yeux. Aucun Soro ne viendra me dire « Je suis ivoirien, je suis xénophobe. » Jamais. Je n'accepterai pas. Je ne peux même pas accepter. Tu vas me dire dans ça pourquoi. Soro a pris les hommes dans ce pays. Ma réalité n'a pas pris les hommes pour les Ivoiriens. Même ses frères du Nord, même là, ce n'est pas pour eux. Soro a pris les hommes pour s'enrichir. Soro a préféré aller recruter les gens de la Suède. Quand Soro a fait sa rébellion, où il a investi? C'est au Burkina. Soro, là, quand il a pris sa rébellion, là, il a pris les maisons des gens en otage à Koro, à Boaké. Dans les villes, il a pris les grandes maisons des préfets, sous-préfets, toutes les grandes résidences qu'on fout à construire, il l'a pris. Et il s'en va investir au Burkina Faso. Soro a des cités au Burkina. Les milliards qu'on a trouvés là sont au Burkina. Soro n'a pas fait la rébellion pour les Ivoiriens. Soro n'a pas fait la rébellion pour sauver les gens du Nord. C'est une escroquerie. C'est un mensonge qui ne dit pas son nom. Soro a fait la rébellion pour lui-même. Il a pris la rébellion des IB et autres pour se servir, pour s'enrichir, pour nous narguer, pour devenir président. Franklin Yamsi, c'est ça le vrai problème. Donc voilà, avec les étrangers, l'organisation de futures élections, quand tu es un pays Laurent Gbagbo pour mener une manifestation insurrectionnelle et renverser Béthi, entre-temps, lui, il a fui. Il est installé en France et aux États-Unis. Et c'est Laurent Gbagbo qui doit aller. Chers amis, il dit, Soro a fait rébellion pour Ouattara. Soro n'a jamais fait rébellion pour Ouattara. Franklin Yamsi, Soro n'a jamais fait de rébellion pour le président Ouattara.
Ils ont bloqué la vidéo, hein. Ici, là, la vidéo est bloquée chez moi. Ici, la vidéo est bloquée. C'est-à-dire, ils signalent tellement mal ma vidéo parce qu'ils ont peur. Moi seul, là, ils ont peur de moi. Moi, je l'ai dit toujours. Moi, je suis bêté. Je suis bêté. Je ne serai pas... J'ai dit, je dirais que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je mène le combat. La terre, là, c'est pour mes ancêtres, c'est pour mes parents. Je ne me laisserai pas distraire. Dans les pays développés, dans les grands pays, les vraies lois sont votées par les nationaux. Ils ne s'oublient pas. Parce que c'est la terre de leurs ancêtres. Allez-y aux États-Unis. Aux États-Unis, là, si tu fais erreur, ils vont te montrer d'où tu viens. En Suisse, là, tu as fait erreur, là, ils vont te montrer d'où tu viens. Aux États-Unis, en France, partout. Le jour où tu fais une bêtise, on va dire non, attention. Attention, ils vont te dire. Non, tout ça, c'est protégé. Hein. Et je vous dis, les années à venir, je serai parmi les députés. Hein. Moi, je me prépare. C'est de ça que les gens ont peur. Hein. Nous tous, on se prépare. Ça sera une nouvelle génération de députés. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Quand je vois les conflits communautaires, j'ai dit non, ça, c'est des petits problèmes. C'est des trucs qu'on peut régler. Quand on va s'asseoir et puis on va se dire des vérités. Dans les villages, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va encore prendre couteau, machette, faire des palabres pour les armes. Moi, il y a des trucs, quand je vois encore, tu vas gérer. Je dis, mais conflit communautaire, ça répond à quoi? À ce 21e siècle, là. Mais dites la vérité aux gens. Tu arrives dans un village. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, parce que Franklin Yamsi parlait de ça. Il parlait, non, ils ont les étrangers, on a fait ceci, les gens ont fait ça. En Côte d'Ivoire, ici, là. En Suisse, là. La Suisse où moi je vis, là. On ne voit pas tirer à un étranger. En Suisse, là, on ne voit pas tirer à un étranger. L'étranger n'a pas le droit d'avoir tirer. Quelle que soit ta richesse, tu ne peux pas. Vous racontez quoi? Ce sont des lois. Au Burkina, quand l'Ivoirien qui a terre au Burkina. Au Mali, quand l'Ivoirien qui a terre au Mali. En Guinée, quand l'Ivoirien qui a terre en Guinée. Mais il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Même dans les villages. Moi, je suis là, je suis bêté. Je ne peux pas aller dans les pays xénophobes et aller faire palabre de terre. Ce n'est pas possible. Je suis xénophobe. Je ne peux pas aller. Je suis bêté. Je vais m'asseoir dans le village xénophobe. Je ne peux pas aller faire palabre de terre. Parce qu'ils vont me dire que tu viens de là. Ici, là, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on sait, qu'on est là. Quand je vois toujours vers les US, je pense qu'il faut prendre des mesures pour régler tout ça. Il faut prendre des mesures pour dire aux gens, voilà, voilà, voilà. Les gens vont changer de comportement. Mais tant qu'on va continuer à jouer avec eux, on va leur faire croire que c'est comme ça, ils vont rester là, un matin, ils se lèvent, ils vont tuer des innocents. Ah mais non, moi je dis ça aux gens. Et je dis ça aux gens. Vous arrivez au Burkina, l'Ivoirien ne peut pas payer terrain au Burkina. L'Ivoirien n'a qu'à me dire qu'il a payé des terres au Burkina. Quel Ivoirien qui a payé terre au Burkina? Franklin, même si c'est à toi, je réponds. Hein. Parce que vous voulez nous distraire avec ça. Nous, on ne va plus se laisser faire. Quel Ivoirien qui peut avoir terre au Mali, en Guinée, au Niger? Quel Ivoirien? Moi, ça là, je ne peux pas payer terre au Mali. Faut pas se mentir. Je ne peux pas payer terre en Guinée. Faut pas se mentir. Je ne peux pas payer terre au Niger. Faut pas se mentir. Faut pas se mentir. On se ment pourquoi? C'est pour ça que nous disons à nos autorités, à ceux qui sont députés, qui sont à l'Assemblée nationale, nous, on s'est battu pour que des gens soient députés. Mais ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, ils sont devenus muets. Des choses se passent, ils ne parlent pas. Mais vous êtes des députés de la République. Battez-vous pour protéger le peuple. Battez-vous pour mettre en place des lois qui vont sécuriser le pays. Mais vous laissez tout, vous êtes assis là. Ils sont dans les affaires, ils sont millionnaires, ils sont dans des business, ils sont millionnaires alors qu'ils ont des salaires de députés. C'est triste. Franklin Yamsi, il faut dire à tes amis là, ils n'ont qu'à quitter la CEDEAO, ils ne sont pas obligés. Si vous n'aimez pas Ouattara et que Ouattara est dans la CEDEAO, Ouattara est, comment on appelle ça, le sous-préfet, Ouattara est celui de l'impérialisme, Ouattara est cela, mais quittez la CEDEAO. Parce que j'étais écouté, mais quittez. Non, parce que nous n'avons pas la même vision avec le président Ouattara, Macky Sall, Talon, alors nous quittons la CEDEAO. Quittez, mais le Mali avait quitté la CEDEAO dans le temps, non? Mais le Mali, c'est où? Il s'est retrouvé. Moi, le Niger, la Guinée, là, c'est pas maintenant que la Guinée a quitté la CEDEAO. Mais la Guinée est devenue quoi? La Guinée est un pays pauvre. Des millions de Guinéens sont remplis en Côte d'Ivoire. C'est un pays pauvre. Je vois leur cyberactiviste qui insulte la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. J'ai dit à un frère guinéen, ami, j'ai dit,
Cher ami, chacun a son territoire. Vous avez votre pays, apprenez à respecter la Côte d'Ivoire. Apprenez à respecter la Côte d'Ivoire. Parce que là où nous amenez là, un moment va venir, vous n'allez plus nous contrôler. Parce que quand nous on est assis, puis on vous voit insulter notre pays, on a mal. On vous en fait quoi? Vous avez eu votre indépendance depuis des années. Vous faites vos coups d'État, mais c'est vos problèmes. Vous avez fait vos indépendances, vous avez eu votre indépendance depuis combien de temps? Mais il y a quoi dans vos pays? Est-ce que nous les Ivoiriens là, on est dans vos pays? Est-ce qu'on est dans vos commerces? Est-ce qu'on est dans vos transports? Est-ce qu'on est dans vos... On est où? Il n'y a pas de réciprocité. Mais le président Ouattara lui-même l'a reconnu devant Mo Ibrahim. Il dit dans les pays, jusqu'au Cameroun, tout ça, il n'y a pas de réciprocité. Les gens n'aiment pas les Ivoiriens. Les gens nous ferment toutes les portes. Les gens ne sont pas prêts pour nous. Et vous pensez que moi, aujourd'hui, il y a réussi à faire promotion de Burkinabé, Mali. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je vous dis la vérité, je ne suis pas dedans. Moi, je suis quelqu'un de révolté. Je suis quelqu'un de révolté. Et je dis ça à Franklin Yamsi, il n'a qu'à comprendre. C'est pour ça que je lui dis, il n'a qu'à laisser la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à aller au Cameroun. Cameroun, c'est ton pays, va au Cameroun, tu nous emmerdes, Franklin Yamsi. Laisse le problème de la Côte d'Ivoire. Que Ouattara soit ceci, Ouattara ne soit pas. Ce n'est pas ton président Paul Biya. Le président Ouattara, il n'est pas Paul Biya. Va t'attaquer à Paul Biya, va t'apprendre à Paul Biya. Arrête de nous emmerder. Le président Ouattara n'est pas le président de là où tu es né. Tu es né au Cameroun, tes parents sont camerounais. C'est parce que tu es un lâche que tu as assis en France. Un vrai garçon. Quand tu veux mener un combat d'indépendance, de souveraineté, tu commences chez toi. Mais vous, votre combat de souveraineté, là, vous voulez que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire nous, on n'a qu'à suivre vos affaires de coup d'État. Mais nous, on a connu coup d'État ici, Soro a fait coup d'État. Mais le coup d'État de Soro, là, toi, Franklin Niamsi, tu étais plus à l'aise que les Ivoiriens. On dit, tu t'es arrangé, tu as marié une fille. Vous mariez nos soeurs pour piller nos pays, pour voler nos pays. Vous donnez quoi à nos soeurs? La plupart des gens qui marient les soeurs ivoiriennes, vous donnez quoi aux Ivoiriennes? Quand vous venez là, c'est pour avoir vos papiers, faire vos affaires. Ça vous donne le droit. Au Ghana, là, tu maries Ghanienne, tu n'as même pas droit à terre. Au Ghana, il faut marier leur fille, tu n'as même pas droit à terre. Si tu crées entreprise, c'est leur propre fille qui sera à la tête de tout. Allez-y au Ghana. C'est chez nous ici, on regarde tout ça, puis on est là, on dit que c'est normal. Et les Ivoiriens deviennent de plus en plus pauvres même. C'est pas normal. C'est pas normal. Au Ghana, tu crées entreprise. Ton premier partenaire, c'est un Ghanien. Pour t'installer sur le sol Ghanien, tu dois travailler d'abord avec les Ghanien. Ici, les gens viennent, ils s'installent comme ils veulent. Ils viennent avec des milliards, ils mettent dans des banques, ils créent des banques. Ils financent des banques qui sont aussi là. C'est eux qui ont les marchés, c'est eux qui ont les finances, c'est eux qui prennent les terrains, c'est eux qui construisent, c'est eux qui font tout. Et l'Ivoirien même est là, ils observent. Les lois sont faibles. Ils viennent avec l'argent, ils vont payer les terres. Ils vont s'installer partout. Et puis après, leurs enfants vont nous insulter. Les soulevés vont nous insulter. Ils vont nous insulter. Ils vont insulter nos parents. Chers amis, moi j'ai fait Ghana. Moi j'étais en Tanzanie. Moi j'ai fait beaucoup de pays. Je suis allé, j'ai regardé. Au Ghana là, moi je suis arrivé au Ghana, je voulais payer le terrain. On m'a fait louer. Ils savent que manioc là, ça fait tel mois pour produire tant. Maïs là, ça fait tel mois, ils vont te faire louer ça sur ce temps. Dès que ça finit, on dit on reprend le contrat. Oh, moi j'ai vécu au Ghana, moi je suis un révolutionnaire plein dans la... Les gens ne m'aiment pas parce qu'ils savent ce que je vois. Moi je suis un révolutionnaire plein dans la tête. Chez nous en Côte d'Ivoire, nous-mêmes les Ivoiriens, on n'aime pas notre pays. On n'aime pas notre pays. C'est-à-dire la souffrance de nos parents ne nous ouvre pas, c'est-à-dire n'ont pas encore ouvert nos yeux. La Côte d'Ivoire, c'était un beau pays. Franklin Niamsi, le président Ouattara n'a pas fait coup d'État. Soro n'a pas fait coup d'État. Voilà ton Soro ici. Comme tu parlais de ça dans ta vidéo, je te dis toujours que tu es lâche, tu es minable. Tu es lâche, tu es minable. Tu cours derrière les putschistes. Mais tu dis que tu es intellectuel, mais pourquoi tu ne vas pas au Cameroun? Va dans ton pays, tu vas servir ton pays. Tu seras plus à l'aise même quand tu vas commencer ton panafricanisme au Cameroun. Tu arrives au Cameroun, tu lances, nous on te regarde, quand ça a réussi, là, nous on va venir t'applaudir, on va même venir prendre des exemples auprès de toi. Mais toi tu laisses le Cameroun et c'est la Côte d'Ivoire qui est ton problème. Tu es marié ivoirien, oui c'est beau, on a compris, mais il faut aller chez... Prends ta femme, allez-y chez toi. Un homme, quand tu maries ta femme là, c'est toi qui amènes la femme chez toi. Tu ne peux pas t'accrocher au pays de la femme. Rien parce que simplement pour vos intérêts. Mais dans les années à venir, les lois vont changer.
Moi, je vous dis, les années à venir, tu as marié une Ivoirienne. Toute ta richesse, là, c'est la femme qui va prendre. C'est moi qui vous dis ça. Si tu es étranger, quelle que soit ta richesse, tu as marié une Ivoirienne, tout ce que tu vas faire, elle sera la première patronne. C'est moi qui vous dis ça. Elle sera la première patronne. Tout tes biens, là, c'est elle qui va contrôler. Si ça quitte, si on fait ça, là, vous allez commencer à nous respecter. Vous allez commencer à nous respecter. Parce que comme on ne prend pas de vraies lois, on tourne autour des choses. C'est pour ça que vous ne nous respectez pas. Voilà ton job, Soro. Alors, quelles sont vos relations aujourd'hui avec le président Alassane Dramane Ouattara? Elles sont bonnes? On dit que vous êtes un peu éloigné parce que vous avez des velléités. Non. Vous savez, mes relations avec le président de la République sont excellentes. Excusez-moi, hein, je vais répondre à un monsieur là. Monsieur Famus Touré, Zasson, c'est trop tard, un débat d'étrangers en Côte d'Ivoire. La force de la Côte d'Ivoire, c'est dans la sous-région. C'est la sous-région, c'est le fait d'avoir accepté les étrangers. Tous les pays ont accepté les étrangers, cher ami. Famus, tous les pays ont changé des étrangers. Chaque jour en Suisse, on change les lois. Chaque jour. Chaque jour, ils changent des lois. Les États-Unis changent toujours des lois. Ils ont accepté les étrangers n'est pas un problème. Nous, on n'a pas de problème avec les étrangers. Le gros problème qu'on a, c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui ne respectent pas nos pays. Qui appellent à l'insurrection, à la désobéissance, à créer des guerres dans notre pays. C'est ce qu'on vous demande. Et ça, là, je veux que pour une fois, vous compreniez ça encore. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je vis à l'étranger. Mais je respecte les lois. Il y a des choses que je... C'est-à-dire, je connais mes limites. Je connais mes limites. Je viens de vous dire, je dis en Suisse, là, moi, je ne peux pas payer terre. Même si je suis milliardaire, je ne peux pas payer terre. Il y a des trucs que je ne peux pas m'autoriser. Parce que la loi, là, c'est la loi. Et là, ils protègent leur pays. Hein. Vous amusez. C'est pas parce qu'il n'y a pas des étrangers, mais les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? La Côte d'Ivoire est le pays qui a le plus grand nombre d'étrangers. Mais tôt ou tard, nous allons changer. Parce qu'il y a beaucoup qui sont rentrés pendant des crises politiques. Pendant des crises politiques, quand il y a eu la rébellion de Soro, personne ne contrôlait le Nord. Les Burkinabés, les Guinéens, les Maliens sont rentrés. Quand mon ami Touré dit, il y a eu des gens qui ont eu des faux papiers, mais on se connaît nombreux. On connaît nombreux. Aujourd'hui, quand il faut que tu fais ta poste, ils sont les plus haineux. Quand ils nous insultent, nous les Ivoiriens, là, mais parlez. Parlez, mais pourquoi vous ne leur parlez pas? Ils nous insultent, nous-mêmes les fils du pays, ils se moquent de nous, ils nous insultent. Mais pourquoi vous ne leur parlez pas? Vous ne leur parlez pas pourquoi? Le vrai problème, nos hommes politiques en Côte d'Ivoire n'ont pas encore compris la dimension de notre pays. Je dis ça toujours. Tu sais, aujourd'hui, la chance qu'on a eue de vivre dans des grands pays, connaître les lois, se promener, écouter les hommes politiques, comment ils sont arrivés là, pourquoi leurs pays sont propres, disciplinés. Quand là-bas, quand tu es étranger, tu sais que tu es étranger, tu connais ta place. Tout ça, nous, on a compris. Non, aujourd'hui, là, moi, je ne veux pas me laisser distraire. Rien n'est tard, champion. Rien n'est tard. On acceptera toujours des étrangers. Mais des étrangers qui seront positifs. Des étrangers qui vont respecter les institutions, qui vont respecter notre pays. Mais pas des étrangers qui vont venir. Et chaque jour, frapper. On a vu des Libanais. Des Libanais qui tuent, qui tirent sur un Ivoirien. Toi, tu peux aller en Libye. Et au Liban, toi Ivoirien, tu vas tirer sur Libanais. Vous amusez. Je dis, ici là, c'est parce qu'il y a trop de laisser aller. Tu vas tirer sur Libanais, toi qui es Ivoirien. Tu es trop courageux. Mais il y a longtemps, ils t'ont enterré. Même ta famille, même tu. Je dis, toi-même là, oh, vous amusez. Hein? Vous amusez, hein? Ils vont t'enterrer. Ils ne vont même pas te donner espace même pour aller en justice. Vous savez ce qui se passe là-bas? Ils sont racistes. Ils sont racistes. Ils s'en foutent des étrangers. Même les Noirs, ils s'en foutent. Mais il faut baliser les choses. Il faut les amener, créer des lois. Quand ils arrivent là, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas chez eux. Ils sont sur une terre étrangère. Quand moi je suis en Suisse, je suis sur une terre étrangère. C'est ça aussi qui est la vérité. Et je connais ma place. Je connais bien ma place. Je ne déborde pas. Je ne déborde pas. Voilà. Donc ne vous cachez pas derrière des faux noms. Si vous êtes dans le même cas que Soulé et autres, assumez.
Voilà. Donc, Franklin Niamsi, je suis vraiment désolé. Dites à vos frères, tu dis Soro, voilà qu'on Soro, il faut d'abord l'écouter. Elles sont excellentes et elles durent depuis bien longtemps. Et c'est fini et passé le moment où certaines personnes cherchaient à discréditer l'un ou l'autre. Et le président de la République a pris le temps de me regarder, de m'observer et a pu s'assurer de ma loyauté en toutes circonstances. Très heureusement, dans la rébellion, il n'était pas concerné. Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion. Bah, c'était sa rébellion ou pas? Je pense que cette question posait là au président de la République. Mais je vous dis, en fait, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, je dis, je répète, que j'étais secrétaire général des forces nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon qui patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Vous êtes venu comme ça, vous avez levé l'armée. Ne croyez pas. Vous savez bien que les gens se posent la question de savoir qui finançait ces forces nouvelles. Bien sûr. Alors je vous ai en face, qui vous finançait? Bien sûr, si vous avez... Cette partie, demain matin, je vais mettre ça sur ma page. Demain matin, je vais mettre ça sur ma page parce que ma page est beaucoup... On m'a restreint. Cette partie d'Alain Foucault, exclusivement, je vais mettre ça pour les partisans de John Soro. Voilà, pour les partisans de John Soro, pour tous ces amis de John Soro qui sont au Burkina, au Mali, au Niger, tous ces gens inconscients qui supportent les putschistes, les terroristes, je mettrai ça sur ma page. Alors, chers amis, pour la question des cadres de séjour, hein, Franklin Niamsi, moi je résume, hein, la carte de séjour était une très bonne politique économique. Aux États-Unis, partout, toi-même en France où tu es assis, tu payes tes cartes là, tu payes ta carte, tu sais. Voilà. Maintenant, pour ton combat de panafricanisme, je t'invite à aller chez toi au Cameroun. Tu vas aller aider le Cameroun, quand tu vas réussir, tu vas venir nous dire, nous on va aller t'applaudir. Tu n'es pas obligé forcément... que ce soit en Côte d'Ivoire, que toi, tu as réussi ton combat panafricain. Et tu viens là, tu es au niveau de la CEDEAO. Mais chez toi, là-bas, là, il faut aller là-bas, vers le Cameroun. Il y a beaucoup de pays. Il y a Gabon, il y a quoi. Mais va là-bas, vous allez nous mener vos combats. Mais tu es assis dans la CEDEAO parce que tu sais au Mali, au Burkina, les putschistes et leurs sympathisants sont la plupart des illettrés. Ils sont la plupart des illettrés. Les gens passent leur temps à applaudir les coups d'État alors que leur pays n'avance pas. Donc, toi, tu te plais dans ça, Franklin Niamsi. Ok. Donc, chers amis, je vais revenir.